Étienne Saint-Forien, Kalala Mbalandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botenabino, Banso. Wanogwa Penzi, Wanainchi Ote, Banabetu, Basubwe, Moyoweno, Bonso. Bampangi à Mounia Luzolo, Bampangi à Vincent, Mbotenabeno, Yonso. Ana Lengo, Moyanyo, Che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Bandeko, Babolingombote, Nabiso Banso, Bolingisa. Nazali Kopesambote, Mbalami Bale. Et bon, il vaut mieux ça. Voilà, donc, les lots de l'obéla bâti très belé, moyen tout y a bâti très belé et salité. Donc, ma kotanga yango, en gros, na monoko. Donc, toko analyser maloba ya ambassadeur. Ce qui ambassadeur des États-Unis à l'OPI, ça veut dire que États-Unis balobi. Donc, Azali Kosepelate n'a poids ya Kabila sur le FCC. Voilà. Donc, l'obélisousouli Kamboya. Comment il s'appelle? Dounia. Dounia. Dounia Kilangwa ou quoi? J'ai oublié son nom. Secrétaire national à PPRD, chargé de la mobilisation à Baloli Maloba. Donc, à Saleki outrage au chef de l'État, selon certains juristes. Voilà, Baki, Bavota qui était Kabilande Anoma qui est Konome. Donc, on a les outrages. Bon, tout cola qui s'appelle pas fait d'hiver. Tout cola qui s'habille marche à Banyamulenge. Et des faits divers. Voilà. On commence par Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis au Congo. Selon ce qu'il a déclaré pendant son séjour en Belgique. Donc nous allons lire ça ensemble avec vous et vous allez vous étonner. Voilà, nous lisons. Voilà, chers compatriotes, Ezali Publication ya Mbote.cd, publié Yangona Opera News. Tokotanga, Bisoye Longo, Bande Koyonso, Bayimboka, Mike Hammer, c'est lui qui parle, même si Félix Tshisekedi n'a pas été élu à la régulière, le changement est arrivé avec Tshisekedi, mais Kabila agit en coulisses et sa coalition pèse lourd au Parlement. Vous voyez, donc ce qui, ambassadeur des États-Unis à l'OPI, Azali qu'on représentait position et à États-Unis. Donc déjà, Yemoko Azali ko sepelate, bato yo bakanisaka ete Kabila Azali ko derange te Félix Tshisekedi, bazana tor. Yangoana, ata président de la République Kabongisi Maloba, mais base Azali ko lakisa la vérité. Bazaliko Silika, Bazaliko Sepela na coalition wana te,
Yangwana, ba komi ko finga mama, ba tia pe perde, ba tia pe perde, ba zo finga. Ti na président. Comme par exemple, Ndekoana, secrétaire national, il y a pe perde chargé de la mobilisation. Donc, ba juriste, ba lobby kezali outrage au président de la République. Parce qu'à lobby, à lobby n'aille que hier Azali nommé et pas Joseph Kabila. Donc nous continuons la lecture. De passage à Bruxelles, l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mark Carner, était face à la presse belge lundi 18 novembre 2019. Ce dernier appuie le président Félix Antoine Tshisekedi dans sa lutte contre la corruption. Ouais. Voilà ce qu'il dit. Dans beaucoup d'autres pays, on arrive aussi à des coalitions et à des arrangements. Évidemment, l'ancien président Kabila conserve beaucoup d'influence à travers la coalition FCC. Nous, nous travaillons avec le président Tshisekedi, a-t-il ajouté. Donc, Boyoki, ça veut dire sous-entendu, nous ne travaillons pas avec Joseph Kabila. Depuis son arrivée sur le sol congolais, le nouvel ambassadeur a déjà beaucoup sillonné ce pays 80 fois plus grand que la Belgique. Il envoie d'ailleurs régulièrement des tweets avec photos pour montrer ses rencontres sur le terrain. Son dernier tweet n'a toutefois pas été envoyé du Congo, mais du musée de l'Afrique centrale à Tervuren, toujours prêt à apprendre plus sur l'histoire, la culture et les arts congolais. A tweeté Mike Hammer, qui se débrouille plutôt bien en français. Voilà pour l'information. Eh bien, chers compatriotes, vous avez compris pourquoi ça ne marche pas du tout avec les bases de l'UDPS, de l'UNC. Avec les bases du PPRD, du FCC. Et c'est un mariage voué à la séparation. Eh bien, le président de la République peut avoir la bonne foi de bien faire marcher la coalition. Joseph Kabila peut-être aussi, mais le fait que ces thuriféraires, ces lèches-bottes, dérange, ne respecte aucun ministre du cash, ce qui est visible et qui n'est pas à cacher, rien ne fera à ce que la base change de point de vue. J'en doute fort. Eh bien, chers compatriotes, nous passons à l'actualité. Voilà, Bandeko, conséquence royale Kopézé à Joseph Kabila na FCC, Yako Pezé na coalition, coalition FCC Cash. Ezali, par exemple, manque y a respect outrage au président de la République. Il y a Ndekoyo, secrétaire national, y a PPRD à la mobilisation. Donc, Toloba était à Fingaki, président de la République. Siko a changé Malobanaye. Donc, Azali Kowanganake, à l'obaki que président Azali nommé, à l'obiété, bah, Changaki et l'obélinaye. Mais Toyeba était, Makamunaye, Kokenena tribunal, selon l'honorable Mwananteba. Voilà, suivons ses propos. Bandeko, Bolanda Video, Oyo, Dunia Kilanga a changé Makambonaye, a changé discours naye. Azali, secrétaire national, y a PPR déchargé de la mobilisation. Donc, à lobby,
Félix Tshisekedi, des présidents à Bimina bah, élection. Bon, mais Namoni Sika Tamokote Azali Kosenga, pardon, a changé Malobanayeske Bagangeli, a répété l'issue que le président Félix Tshisekedi Azali nommé par la volonté de Kabila. Donc, à lobby que. Bah, organisa qui bah, élection si que Félix Abimi président Azolobate que Abimi élu président mais toi ebikendeko mwana teba ne décolère pas yé il persiste ici bah avocat naé bah aucun tribunal kofunda yé wandugu wapenzi mofate vidéo hiyo. Moi, Moja, Moutaona, que Dunia, Kilanga, on a changé discours, yake, à la CMA, Raisi, Inchietu, ni Félix Tshisekedi, Yenjo, Balichagua, na Machagua, ya Seni, on a changé discours, yake, Mamou ya Kushanga, mais est-ce que est sincère? Banabit Basuiwe Tangilai Donia Chilanga Udjo président Félix Tshisekedi qui président Udjo Moufat à Seni Baba financé Koudi Kabila Ken Wavan Baba financé Koudi dit ton ato Djouambani Baba financé Koudi Kabila mais Tchenam Mouna Mouabana pardon to. Donc, Eboumboal Bon, Ningwen de pardon. Tiens un moment. Nous disons beaucoup tellement que pardon, mais bon. Moi, Béou, tiens un moment, pardon. Ton Akoulon, nous mais moi, n'est tout. Mon enfant, car. Tu peux mon enfant, car. Moi, Yei mushindi keto welani munu mwiku ambani meme kamana amu banzu jibanye bafunde ku ditatu e ku tribunal wa bipendu bidi mupende ku di président de la République chipendu outrage voilà ok bampangi ya munu ya zolo. Ben Mossi, Ben Metala, Dunia Kilanga, Yandi m'a changé discours, Yandi Ketubati, président Félix Tshisekedi, Yandi des présidents, Betouzabati, Yandi Toubaka, que bon, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, Yandi Wandaka nommé par Kabila, Bobu Yandi met tout bâti. Félix Tshisekedi, Yandi qui est président élu. Ok, d'accord. Betou, talenté vidéo, yai. Ali na kati ya libota banguna baza koluka na moyen nyonso bapanza biso tokopanza na te biso tolobi boye Joseph Kabila azalaki na volonté politique ya kosenga na gouvernement na ye epesa moyen financier na CENI pour organiser élection na mboka oyo pe esalemaki lelo yo président Tshisekedi de mon compte. Tout ça pour Sénat congolais, tout encourager ma volonté politique pour la Congo et lobby. Donc, l'un des mots, la volonté politique, il y a président de ce qui est que gratuité est comme effective. Et comme effective, c'est la volonté politique. Alors, pas tout bas, soit ma phrase, mon pour ma panza, l'ingomba. FCC n'a cache, tout ça, c'est ma colo.
et Joseph Kabila n'a fait ce qu'il était au temps là. Nous avons dit que 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 nous avons. Voilà, par ailleurs, chers compatriotes, nous sommes très choqués concernant ce qui se passe à l'Est. Il y a toujours des morts et des morts à Béni. Les États-Unis, l'Occident, l'Union européenne ont demandé au président Félix Tshisekedi de détrôner les généraux nommés par Kabila. Tant que ces généraux sont là, il y aura toujours des morts. Comment expliquer qu'il y ait plus de 21 000 soldats déployés à l'Est, au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Béni? Comment se fait-il qu'il y ait toujours des morts en présence même à la barbe de ces militaires-là, des FARDC? On voit même certains militaires de la MONUSCO qui sont complices, qui se rencontrent avec des ADF, ils parlent en anglais selon des témoins. Vraiment, il faut que le président de la République fasse quelque chose. Il est grand temps qu'on ne voit plus ces généraux nommés par Kabila à l'Est. Regardez, nous allons lire ensemble. Franchement, nous ne comprenons pas ce qui se passe à Béni. Pendant même que les FARDC sont présents, ils sont au nombre de 21 000 soldats, ou 21 000 militaires si vous voulez. Il y a quand même, d'après Congo Synthèse, 21 personnes tuées et des enfants kidnappés par les ADF, donc d'après la société civile. Et c'est à l'intérieur même de la ville de Béni. Voilà, nous continuons la lecture. Ça, c'est une image d'illustration d'un quartier de Béni ou des environs. Voilà. Nous allons lire cette information. Voilà. 21 personnes ont été tuées et 4 autres blessées, des enfants kidnappés par les assaillants dans 2 attaques des ADF dans la nuit de mardi 19 à mercredi 20 novembre dans la ville de Béni et dans la commune rurale d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni. La société civile fait état de 7 morts dans la ville de Béni. Ce bilan a été confirmé par d'autres sources sécuritaires qui annoncent que 2 militaires FARDC ont aussi été blessés pendant les affrontements. Ce mercredi, des groupes de jeunes ont manifesté à Boyikene en érigeant des barricades sur la route nationale numéro 4 pour demander aux FARDC, à la police et à la MONUSCO d'assurer la sécurité de la population. Toujours cette même nuit, les ADF ont également mené une autre attaque à Mavete, dans la commune rurale d'Oïcha. Les sources sécuritaires donnent un bilan de 3 civils tués, mais la société civile parle d'au moins 14 morts. Cette structure citoyenne dit avoir alerté sur l'infiltration des ADF dans plusieurs agglomérations de Béni pendant que les FARDC sont en offensive contre ce groupe armé. Vraiment, tout n'a moins bien, président de la République a changé généraux à Kabila, beauté va changer, hein, parce que Kamanakata ou bien Anaogo pas qu'on va changer Vitaï les Haïtaïcha. Cette attaque est la première de l'ADF dans la ville de Béni depuis octobre de l'année 2018. Voilà.
Vraiment, il m'a envoyé à Kushanga, Sana, vraiment. Ce n'est pas possible. Hein. Plus de 20 000 militaires FARDC. Ndiokusema ba ADF, ba anapita ba FARDC, kwa nguvu, ou bien comment? Tutasema nini? Mbe kuna tuonesha ba victoire ya ba FARDC, sasa. Hii tuko naona, tuko nasikia vraiment, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà la situation des populations originaires du Rwanda, qu'on appelle les Banyarwanda de Mulenge, des plateaux de Mulenge, donc principalement, nommément à Minembwe. Cette situation s'internationalise. Alors, leurs représentants ont essayé de marcher à Washington. Ils sont partis faire un sit-in à l'ambassade, un sit-in à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Washington. Il y en a même qui s'expriment en tshiluba pour que le président de la République, qui est lubaphone, entende peut-être mieux. Il s'exprime aussi en lingala, pour prouver leur congolité. Donc, il y en a qui sont là depuis 1950 et leurs descendants. Il y en a qui sont là depuis 1959 et d'autres réfugiés. Mais le problème, il y a eu des infiltrés, des militaires infiltrés qui sont maintenant en civil. Il y a eu des milices armées par Paul Kagame, le président du Rwanda, en utilisant le ministre Roubaix-Roi, qui lui n'est pas descendant de ces rwandophones de 1950 ou 1959. Il est arrivé comme réfugié les années 70. D'accord, ok. Et voilà, et je trouve que président de la République, le gouvernement, nous devrions trouver une solution pour ce problème-là, parce que il y a certains qui sont innocents du comportement de Paul Kagame et des rwandophones qui veulent un territoire propre à eux, alors que nous, Congolais, nous voulons qu'ils vivent avec nous en paix, éparpillés dans tous les territoires congolais, parce qu'il n'existe pas d'ethnie Mulenge, comme ils le disent en anglais dans la vidéo que vous allez voir. Il parle de l'ethnie Mulenge que nous, on ne reconnaît pas au Congo. Nous, on les connaît sous l'appellation des Banyarwanda, c'est-à-dire les originaires du Rwanda. C'est ça que ça veut dire. Regardez. Voilà, ça c'est une marche aux États-Unis des Banyarwanda qui habitent la région de Minembwe. Voilà. Des Banyarwanda de Minembwe, qu'on appelle aujourd'hui Banyamulenge. Il paraît que ce côté-là, c'est des plateaux qu'on appelle Mulenge. Et maintenant, on les appelle Banyamulenge. Mais il faut savoir que c'est les Banyarwanda, ce qui veut dire les descendants des Rwandais, des réfugiés rwandais qui sont arrivés dans les années 1950, ensuite 1959, plus d'autres infiltrés illégaux qui sont venus gonfler le nombre, ainsi que des milices armées par Paul Kagame. On le sait, ça, on ne se le cache pas. Voilà. Suivez la vidéo. Il y a même une dame qui parle en Tshiluba, puis en Lingala. Suivez. Island overlooking the city of Uvira in South Kivu province. Mulenge was one of the earliest
non-settlements to this part of DRC. Ethnic Tutsi who settled in this area choose this name, create the establishment of boundaries of colonial power in Africa continent following the Berlin Conference. La dame fait l'historique de Minembwe, il parle de génocide. Generations of people who settled in Murenge have been called the Banyamurenge, meaning the people of Murenge. Due to the fact that the Murenge are naturally and strategically well placed, it has been targeted by force in region who wanted to economic and strategically reason. As a result, Banyamurenge suffered from many ways propagated by local and foreign army groups. Murenge and the Banyamulenge ethnic Tutsi became the target of rebels, army group, and other militia who wanted to kill them and take control of the area. Since February of 2017 up to now, alliance of Maimai fighters and Red Tabara Burundi rebels launched attack in the local village inhabited by Banyamulenge. Since the crisis started, 300 innocent civilians have been killed and more than 45,000 homes have destroyed, 120 schools and 40 health facilities destroyed, and over 40,000 cows have been looted. Yet, DRC government officials are aware of this taking place, but there has been no response to killing. On multiple occasions, the DRC army forces turned a blind eye to Banyamulenge are being chased down and killed. The DRC armed forces claim that they have no orders from the superior to stop the attack. The military have betrayed the trust of the people they're supposed to protect. De les armer pour déstabiliser l'Est. La pasteur, ma papa, ma maman. Tozana kolela. Machambu ya soni. Anubantu bakesi, banya mulenge. Mboka mugiba. Bajumusombe la musidikifu. Batumuke uwe ya Minembwe. Batumuke, bavandi la sudikifu. Anubasalai bos. Mujiba shebe ya bantu anuchana. Basudanyonsu ya bakafasi. Bazani koko ma bainosa. Bantu kama ibeza lancha chintu Basali elokote. Les gens que vous voyez ici parmi nous, il y a des veuves. Il y a des veuves. Nous sommes créés par Dieu. Nous sommes créés par Dieu. Nous sommes Ujibwa kujira lero mkwenu atila mala. Tozali kolela lelo. Tujibamba ne bikumba. Koki kolela. Bikumba na mwa kushibe ya bantu. Bwa kwela nzubu kajiru. Bwa chanan. Kotumba banda. Bwa kwanga tangombe. Bwa ngombe yetu. Bwa chanan. Kopoto la bangombe. Anu mkalenga tujibambila kuko mkalenga bwa Kongo. Anu kabaka tujibasombela ku ambasadu. Toye awa na ambasad mo Amerika ko vanda tatu boso tuji kumputu biso nyo stoza na poto tuji ni ji cha kwambula anu ji ji tozali na lilo ba ya koye bisa tuji ba kwambula UN tuji ba kwambula US wa wanu buti wenzeka tuji twambila katu na ba manya mulelela hikala nenu bakanga hikala nenu muji munzu biji bya kundu be muji ba ya pengi. Les alli ma comme la sonne. Les alli croyaient bissa. Papa Wani. Etienne. Félix Tshisekedi. Wani. Ujumana anu tiku tiku. Tijik. Anuwa wa mutani.
wamba ko uji papa wa bantu bons zwali kambo yo zali anujitonga japo papa tujibatira maji wajitunga jiji anukuloba mushim si akoko bikabikumbana mashi akamenze kahashi alumashi ya chana makila bana bakami baba kwa ebele bakwa boni mashi bakwa bokabane kabaka so alumanzu bo babumo bibaka bobo nkaya wati banda koyo bakibaki bango mo kusiko kasa risika ko tanda te tujibasa jitalan tusom tolingi popoto tolingi tokanda na popoto tu dis pas que tu as un peu de temps. Quand tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Voilà pour l'actualité, chers compatriotes. Nous passons maintenant aux faits divers. Nous passons à la prouesse ou aux prouesses du président Félix Tshisekedi, la réalisation et la finalisation du premier saut de mouton, comme on l'appelle. Alors, c'est admirable ce chef-d'œuvre. Et il y en aura 8, voilà le premier qui est terminé. Mais chers compatriotes, admirez ce chef-d'œuvre à partir des photos que nous allons vous montrer. Ensuite, nous allons vous présenter également un fait divers qui s'est déroulé en France. Un chef-d'œuvre, une œuvre d'art. Est placé dans un quartier de Nantes, oui, une ville française, dans le quartier Bellevue. Bon, certains ont considéré que c'était la magie, certains autres de la sorcellerie. Alors, il y en a qui sont venus nuitamment incendier la voiture et l'arbre en question. Mais les pavés sont toujours là, l'arbre est toujours là et ça continue toujours à attirer des curieux. Regardez. Voilà une vue aérienne du premier saut de mouton à Kinshasa, à Pompage, dans la commune de Galiema. C'est tellement beau que des constructions anarchiques autour et puis des vieux taudis devraient, et ils abîment la beauté du paysage. Nous pensons que vu la beauté de l'œuvre, il faudrait reconstruire de voilà, je vous montre ensuite la photo suivante. C'est encourageant pour un début de modernisation. C'est tellement beau que je pense que les taudis qui sont dans les environs devraient être détruits pour construire ou offrir
ne fût-ce que même des logements sociaux aux habitants des environs de cette œuvre d'art. Voilà. C'est sûrement photographié par un drone. Quelle beauté! Quelle beauté! Il y a de quoi féliciter le président Félix Tshisekedi qui en a pris l'initiative. Voilà. Ouais. Dieudonné Kalala, qu'est-ce qu'il écrit ici? Au moins 59 ans après, on peut voir ça chez nous. Bravo Fatih. Voilà pour le saut de mouton. La fameuse voiture de Nantes avec un arbre au milieu a été incendiée par des superstitieux. Une œuvre d'art de la Société Royale, Royale de Luxe, voilà. Ils ont commis l'erreur de ne pas informer que c'était un montage. Une œuvre d'art. Et voilà, ceux qui ont cru à la magie, à la sorcellerie. Eh bien, ils ont incendié ça à minuit, ils ont pris la fuite. Ironie de l'histoire, la voiture incendiée à Nantes, dans le quartier Bellevue, elle est toujours visitée. Il y a encore plus de touristes. Donc, en fait, ce qui a brûlé, c'est des sièges à l'intérieur. Donc, les vitres, il n'y en a plus, comme on voit là. Mais l'arbre est toujours là, comme vous pouvez le voir, là. Bon, on ne montre pas le dessus de l'arbre sur la vidéo, mais je suppose que, puisque le tronc, là, il tient, c'est que plus haut, les branches et les feuilles sont là. Ce qui reste de la voiture reste toujours une œuvre d'art. Eh bien, ça continue. Malgré le fait que ceux qui ont cru à la magie, à la sorcellerie européenne, Kindokiabamindele, comme certains disaient, eh bien, la Société Royale de Luxe a publié trop tard que c'était une œuvre d'art. Voilà, on passe maintenant à nos actualités.
Alors, chers compatriotes, au revoir, Boutikalamalamu, Benobikalambote, Wandugwapenzi, Tunamaliza, Tutaonana, Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benobikalambote, Betutamalana, Mbasi. Bala betu basuibwe. Chalaibib, Nitumulana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.